Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment ajouter un événement ou une date importante dans un calendrier. Donc, tout d'abord, vous devez sélectionner votre session, ensuite votre classe et votre groupe. Ensuite, cliquez sur Calendrier, choisissez Ajouter un événement, donnez-lui un titre. Ensuite, vous pouvez sélectionner, comme nous avons sélectionné précédemment un cours et un groupe, il le donne par défaut. Donc, ce sont mes étudiants du cours 999 et du groupe 81 qui vont avoir l'événement dans leur calendrier. Si je veux que tous mes étudiants du même cours, donc tous les groupes de 999, je vais cliquer ici. Si je veux que ce soit tous mes étudiants de tous les cours dans lesquels je suis inscrit dans cette session-ci, je clique ici. Si par contre je veux que ce soit un événement privé pour l'instant et que plus tard je le publierai ou simplement je le laisserai privé toujours, je clique sur « Aucun étudiant ». Ensuite, je choisis la date de l'événement, l'heure de début. Si l'événement dure toute la journée, laissez ce champ libre. Ensuite, la durée de la conférence. Et lorsque mes champs sont complétés, je clique sur « Sauvegarder ». Vous voyez maintenant que l'événement est ajouté. Je peux le modifier en tout temps ou le supprimer. Certains événements ne peuvent être supprimés car ce sont des événements qui ont été ajoutés par votre administrateur. Donc, si vous n'êtes pas en contrôle de ces événements, ils seront toujours présents. Par contre, les événements auxquels vous avez ajouté, vous pouvez cliquer sur l'événement dans le calendrier et le supprimer. Voilà, l'événement est disparu.